Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour la nouvelle box Emma et Chloé. Alors, je sais que je la fais en retard, mais déjà, nous l'avons reçue en retard. Ils ont eu un petit cafouillage, en gros, quoi. Donc, on a toujours la même boîte. Ça, je vous fais pas le topo. Et dans la gazette, on nous apprend qu'est-ce qu'on nous apprend aujourd'hui? On nous apprend que c'est un bracelet. Voilà, salut le pchit. On nous apprend que c'est ce bracelet là. Donc moi normalement je l'ai en argenté. C'est celui-ci. Donc est-ce que cette fois-ci on va avoir la surprise de trouver autre chose dans la box? Non? Tu crois pas? Alors qu'est-ce qu'ils disent? Ah, ils ont des super sélections comme d'habitude. Un peu d'été dans la rentrée. 4 looks de rentrée. Après 10 conseils pour ne pas perdre son bronzage. Ouais, bon, en même temps moi j'ai pas pris de vacances. Donc je suis pas bronzée, je suis blanche comme un... quand vient la fin de l'été, donc oui, effectivement, garder son bronzage, d'accord. Il y a un test, donc c'est quoi? Après quoi courez-vous? Ah ouais, ça c'est sympa. Quel est l'adjectif qui vous définit le mieux, ce que vous cherchez chez l'autre, votre programme pour un long week-end, en cas de conflit, le cadeau que vous attendez, ce que vous aimez au travail, l'amitié c'est pour vous, c'est votre devise quand vous avez un coup de blues. Ouais, donc en gros, c'est un test psycho. C'est cool. Moi, j'adore ça, les tests psycho. Ensuite, on a deux recettes. Aïe, je me cogne. On a deux recettes et ça a l'air bon, des gâteaux au chocolat. Ça a l'air trop bon. Trop hâte. Et les bâtonnets de mozzarella. Alors ça aussi, je pense que pour faire manger aux enfants, c'est tout bonnement tout super. Donc voilà, ça c'est la tête qu'elle a la dame ce mois-ci sur la gazette. Donc c'est celle du mois de septembre, effectivement elle est encore disponible. Par contre, maintenant les box sont à 22 €. Elles sont augmentées de 2 €. Visiblement c'est pour que le revêtement qu'il y a sur les bijoux soit de meilleure qualité, donc d'un argent beaucoup plus solide et beaucoup plus raffiné. Donc j'espère pour eux, parce qu'à ce prix là il y en a pas mal qui vont plus commander, parce que le prix psychologique de 20 € est dépassé. Donc j'espère pour eux que ça va fonctionner. Mais sachez quand même que j'ai un code qui vous permet d'avoir 10 balles d'offert sur votre première box. Donc du coup, c'est plutôt pas mal puisque vous l'avez à 12 € au lieu de 22. Donc bon, c'est tout. Et c'est, je sais plus, je vous le remettrai en barre d'infos parce que là, je le connais pas de tête. Donc ça peut être sympa. Franchement, pour 12 € avec des bijoux de cette qualité, je vous conseille quand même parce que j'ai l'habitude d'acheter des bijoux. Et je vous jure que 22 €, c'est les prix moyens. Et voir une bague, voilà, la moindre petite bague, tu la payes 39. Donc là, en gros, aujourd'hui, c'est un bracelet. Alors, vous savez que les bracelets, je me méfie toujours. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai des poignets énormes. Mais alors énormes, puisque je suis rondelette, mais vraiment ronde. Hein, je mets de la taille 46-48. Ça, c'est plus une surprise. Donc, du coup... je pense que ce petit truc, je vais plutôt le mettre à l'oreille, tu vois. Oh, je suis mauvaise langue, hein. Alors, est-ce que ça passe au moins? Parce que c'est pas le tout, mais moi, j'ai des gros os en plus. Ah, ça passe, bon sang. J'allais dire autre chose. Mais la chaîne, par contre, ça fera juste, hein. Ah, j'arrive pas à la fermer toute seule. Alors par contre, ça, c'est problématique de pas pouvoir fermer. Pourquoi ils nous ont pas fait un système? Dieu ne nous a pas fait un système pratique pour... voilà. Donc en gros, faut que j'élargisse, je sais pas. Non, moi ça ne me va pas. Je suis désolée, mais ça fait moche sur moi, quoi. Pour quelqu'un qui a le poignet fin, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je trouve ça... ah ouais, ça peut aller. Finalement, je suis mauvaise langue, t'as vu. Non, ce mois-ci, j'aurais pas commandé... enfin... déjà que vous savez que les bracelets, je fais vachement gaffe parce que vraiment ça ne me va pas les bracelets. C'est un truc, c'est... non, non, ce mois-ci je suis franche avec vous, ça ne va pas aux grosses, c'est clair et net, non. Donc je suis désolée parce que les partenaires, voilà, vous savez que en même temps je suis franche, quoi, je vais pas mentir pour vendre plus. Non, ce mois-ci non. Si vous êtes fine, oui, sinon non, ça vaut pas le coup, ça ne fait pas beau, je vous le dis clairement. Alors si Emma et Chloé passent par ici, vous savez que je vous adore, que vos bijoux sont de qualité, que j'aime beaucoup, mais là pensez aux grosses, bordel, excusez-moi de vous dire ça, mais
Mais comment tu veux qu'on mette ça? C'est pas possible ou quoi? Enfin, nous aussi on a le droit de mettre du truc nickel. Mais il est trop beau en plus, quoi. Dans l'absolu. Je le kiffe. Mais je pourrais jamais mettre ça. Ah, je vais le mettre quand même parce que je suis dégoûtée. Mais ouais, quoi. Enfin, mince. Je suis dégoûtée. Il est trop beau, mais je peux pas le mettre. Il me fait pas un beau poignet, quoi. Donc, à part si je perds 10 kilos. Mais bon, ce serait une mauvaise raison, quoi. Moi, je suis bien comme je suis. Trop sniff. Donc, bien sûr, on a le certificat d'authenticité. Bah, décidément, aujourd'hui, j'ai du mal. Et donc, il est en laiton trempé en bain d'argent. Donc, et les pétales sont en cuir. Et c'est le bracelet Tumen. Tumen. Donc, voilà. Donc, là, franchement. Je suis désolée, mais ma déception est grande parce que voilà, déjà que ça me ramène à mon poids, donc non. Voilà. Je suis un peu triste. Bon, en même temps, comme je dis, pourquoi pas vous le faire gagner à vous dans un prochain concours. Pourquoi pas? Parce que je me vois mal mettre quelque chose qui ne me sied pas et voilà, qui ne me va pas clairement à la taille. Voilà. Donc bah écoutez, vous aurez compris ma petite déception. Donc j'espère qu'Emma et Chloé va regarder cette vidéo, va faire en sorte de choisir des bijoux qui puissent bien entendu aller à tout le monde. C'est pas facile quand on fait plus qu'une taille mannequin. Donc comprenez-nous et essayez un petit peu de. Mais c'est possible, hein, il y a des choses qui nous vont, vous hein, voyez, voilà quoi. Hein. Donc faire un tout petit peu plus large, s'il vous plaît. Donc bah, pour l'heure, n'oubliez pas que la vie est belle en rose. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous mes amours, ciao!